Alors aujourd'hui, je vais vous préparer des mini pizzas. Regardez, j'ai acheté ça. Bon, je ne l'ai jamais fait, hein, mais on va faire un test. Hein. Alors j'ai pris une pâte, j'ai appuyé mon moule dessus de manière à avoir la trace ici pour pouvoir faire mes coupes pour en plus après remplir mes moules. Alors les mini pizzas, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on fait ce qu'on veut, c'est ça qui est bien. Donc moi j'ai envie d'essayer, donc j'ai pris des morceaux de saumon fumé, du jambon de poulet, un morceau de chèvre, des saucisses de poulet, du bœuf haché, du surimi. Là, j'ai coupé un oignon très, 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 très fin. Évidemment, de la sauce tomate qu'on va arranger avec un peu d'huile d'olive et du sel, du poivre. Nos petites olives. Un petit peu de crème, parce que comme on va faire avec le saumon. Évidemment, notre mozzarella. Et puis, pour l'accompagnement, j'ai pris tout simplement de la salade frisée. J'ai fait une petite vinaigrette. Voilà. Et puis, évidemment, aussi de la ciboulette. Bah, je pense que la ciboulette, on va le mettre plutôt avec... le saumon, puis la crème un peu, enfin, on va voir, c'est un... J'ai commencé donc à couper, donc j'utilise la trace que j'ai fait, comme ça, j'espère que ça va aller, hein. C'est une première. Hein. Et puis maintenant, on va commencer à remplir les moules, donc je sais pas, je vais faire comme ça, ça a l'air d'être pas mal. Allons arranger notre sauce tomate. Je vais mettre un peu d'huile d'olive, un peu de thym, du poivre et du sel. On va couper nos saucisses, on va couper notre surimi, nous allons aussi couper notre jambon de poulet et aussi notre chèvre. Ah, nos moules sont prêts. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à remplir avec un peu de tomate. On va s'en faire trois avec du saumon. Donc pour ça, on met un peu de crème. Maintenant, avec du jambon. Avec de la saucisse. Et avec la viande hachée. Alors, pour la viande hachée, je mets un peu d'oignon avant. Je peux mettre aussi un petit peu d'oignon sur du saumon, comme ceci. Sur le saumon, je peux rajouter un peu de surimi. Voilà. Et maintenant, la viande hachée. Alors, la viande hachée, c'est à la main, comme ça. Alors, je rajoute un peu de chèvre. Je vais en mettre aussi sur celui où il y a le jambon de poulet. Voilà. Je vais prendre encore un petit bout ici. Voilà, parfait. Et maintenant, je vais mettre la mozza. Alors, la mozza, c'est pas compliqué. J'en ai coupé 12 tranches. Je la mets comme ça, tout simplement. On rajoute quelques olives, bon, on en met deux, hein. Comme ceci, vous en mettez deux par pizza. Là, je rajoute un peu de thym, vous voyez, comme ça au-dessus. Je pense que ça, c'est vraiment un aromate qui est important dans la pizza. Voilà. Alors, nos mini pizzas sont prêtes à être enfournées, et je vais les mettre à 220 degrés, entre 15 et 20 minutes. Déjà 5 minutes de cuisson. C'est déjà pas mal, hein.
Nous sommes à 15 minutes de cuisson. Ça a l'air pas mal, mais je vais les laisser cuire encore un petit peu. Les pizzas sont sorties du four. Alors, n'oublions pas de mettre un peu de ciboulette sur la partie des pizzas au saumon. Et maintenant qu'elles sont prêtes, on va passer au dressage. Alors, vous vous rappelez, celle-ci est à la viande, celle-ci aux saucisses de poulet, celle-ci au jambon de poulet, et celle-ci au surimi et au saumon.